au sujet des événements que devaient vivre Daniel, Ézéchiel et les autres. Mais dans sa manière de chanter, c'est comme si cet événement était déjà passé et a pris fin, maintenant ils sont revenus. Nous étions assis et nous pleurions. Nous souvenons de Sion. Donc, la prophétie, il faut faire très très attention. Il faut faire très attention avec la prophétie. Et lorsque l'écriture nous dit, Dieu a donné un roi dans sa colère. Ça fait appeler ça mon conti, mon connaissé à Kandanaïe. Et Azali peut ôter le roi dans sa fureur. Et le Seigneur l'ôtera dans sa fureur, Kandamakasi. Dans son roi, nous croyons qu'Israël, il faut accorder la grâce. Israël doit entrer dans la grâce. Parce que David, dans 2 Samuel 5, a libéré Jérusalem. Dans 2 Samuel 5, avait libéré la ville de Jérusalem. Pour ma ville appropriée d'Israël et ma ville étrangère. Pour vraiment être la ville de Jérusalem et quitter entre les mains des étrangers. Aujourd'hui, Jérusalem est dans l'esclavagisme comme Paul a été. Aujourd'hui, Jérusalem est dans l'esclavagisme comme Paul l'a été. Ils ont continué. Comme dans la loi. Donc, Donc, Jérusalem continue avec la loi. Aza aveuglé. Donc, aveugle. Dans l'incrédulité. Dans l'incrédulité. Et Aza dominé par les nations de la terre. Et à Kontamina Bikolo Yamabele. Yangwa continue dans la fausse alliance. C'est pourquoi il est entré dans les fausses alliances. Israël a bien amené à Zala Naba Oni Nabino. Israël n'est pas appelé à être dans les nations unies. Non. Il n'est pas appelé à être dans les alliances. C'est ça, sixième saut. C'est ça la colère de l'agneau. Que Dieu bénisse. Amen. Dans tout cela, Dieu utilisera les désirs pour frapper la terre. Et côté à Israël. Vont prêcher Israël. Israël croira. Et Israël la condamne. Quand aux hommes va croire. Lorsque nous dirons qu'il croit. Parce que la Bible parle des traîtres de l'alliance après. Pour biblier ils ont le la bateau va croire car au canier en Zambé. Mais va on va garder quoi? Mais ceux-là qui vont garder. 144 000. Les alliés va 144 000. La simane en haut. Les traîtres aussi. Yahweh Père. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Après que la bête a régné pendant 3 ans et demi ou 42 mois. Nasima kotondo nyamana yauli ba sanza tout. Ba sanza tout kumina inami balé. Donc après la mort des oies. Nasima liwa ba pakola mimi balé. La bête a pouvoir régner sur la terre. La bête va posséder son règne sur la terre. Et va adorer comme Dieu. Et elle sera adorée comme le Dieu de toute la vie. Versets 4 et 5, il y a pour les stress et le Mikazan en pouvoir il y a 42 mois. Les versets 4. Oui. Et le Mikazan en pouvoir à 42 mois. Dit qu'il a le pouvoir de 42 mois. Il y a pour les stress. Apocalypse 13. Nasimawana. Mais après cela. Dieu viendra pour autrer à Koyamolokola ce qui est ébranlable. Zabé Moko, le Seigneur lui-même viendra ôter ce qui est ébranlable. À Koyamolokola aussi. Royaume de la terre. Il viendra ôter le royaume de la terre. De la sixième saut. C'est toujours dans le sixième saut. Nous sommes au Canada. Nous nous faisons bien comprendre. Hein? L'œuvre y a deux ans. L'œuvre de deux ans. Et qu'on a monté à les deux l'Israël. Ce sera prêché Israël. Et qu'on a aussi qu'on frappé la terre. Peko beta ma femme yamabele. Dans Apocalypse 8. Dans Apocalypse. Donc, quatre trompettes dans l'Apocalypse 8. Les quatre premières trompettes d'Apocalypse 8. Et Kobeta Manaler, il y a deux oies, deux témoins. Sonné du temps de deux prophètes, deux oies. Nous allons expliquer quand même dans mon cœur, dans le Gézamba, Kosukabiso. Nous allons expliquer tout cela en. Mais programme n'y a mais tous ces programmes. Et ça, que Dieu a besoin de la trône ébranlable. Mais le Seigneur a besoin de doter le trône ébranlable. Donc, règne Yamabele. Pour établir une trône inébranlable. Pour règne millénaire. Pour conduire Yakotomoko.
Parce que le royaume de la terre, le Seigneur l'avait livré aux nations dans sa colère. Il explique clairement. Israël lorsque Israël a désobéi à la parole, le Seigneur ne se réjouira pas. Le Seigneur est furieux. Et dans sa fureur, il va élever une nation qui doit dominer. Il donne la royauté dans sa colère. Mais il viendra ôter ces mêmes nations-là dans la fureur. Dieu bénisse. Amen. Le lenge moko azoya ko ôter royaume union soya. De la même manière, il vient ôter tout le royaume de la terre. D'après Apocalypse 17, verset 14. Quand on a combattre la bête et les dix rois de la terre. Lorsqu'il combattra contre la bête et les dix rois. C'est pour ôter le roi aussi à terre, où il est ébranlable. Et ça peut pour n'a qu'au long ou la n'a qu'à d'abord qu'on dit à ma belle et n'a qu'à tamboni pour soumamo comprendre n'engue sixième saut est à classer. On a marché ainsi pour comprendre comment le sixième saut, les événements sont classés dans le sixième saut. Il y a la fureur du roi et ça y a éternel. Il vient ôter les rois. Pour Israël, il va ôter la loi pour lui donner la grâce. Et pour Israël aussi pouvoir posséder terre. Et pour qu'Israël possède aussi la terre. Avoir royaume l'Écolabe nation. Et recevoir le royaume sur les nations. Dieu anéantira toutes les nations pour voir la nation. Zambé a pourquoi ça vous continue sur la Bicole. Pour établir le royaume éternel. Pour n'apporter à vous continuer à Seco. Nyonso wana ya fireur ya Dieu. Tous ces